Je suis à la recherche d'Africains avec qui nous allons créer une ONG qui va s'intituler Sauvons les enfants occidentaux de la misère. Cette ONG aura deux fonctions principalement. La première fonction sera de soutenir tous les pauvres occidentaux. Ça veut dire que nous allons avoir des représentations dans pratiquement tous les pays, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Et nos représentants là-bas auront pour objectif d'offrir à manger à tous les pauvres, à tous les déplacés de guerre et à tous ces enfants occidentaux qui souffrent au quotidien, qui manifestent dans les médias, qui se plaignent et qui ont envie de meilleures conditions de vie. Principalement, nous allons leur offrir à manger, comme du tapioca qui est produit en Afrique à partir du manioc. Nous allons leur offrir des chips, njoka. Nous allons leur offrir tout ce que nous avons de meilleur en Afrique et qui découle de notre climat extraordinaire. Ça, ce sera la première fonction de cette ONG. La deuxième fonction, ce sera sur le plan médiatique. Ça veut dire que cette ONG va créer une chaîne de télé qui va s'appeler Sauvons les enfants pauvres en Occident. Et cette ONG aura pour but, à travers cette chaîne de télévision spécialement dédiée aux activités de l'ONG, 1. De présenter des reportages de pauvres en Occident. Ça veut dire que nous allons aller en France, nous allons aller aux États-Unis, nous allons aller dans tous ces pays et faire des reportages sur les pauvres, les sans-abri, les personnes qui manquent de tout, pour présenter ces reportages-là en Afrique, aux yeux du monde, afin que les âmes de bonne volonté, milliardaires africains, puissent aider ces pauvres-là et leur permettre de pouvoir obtenir des meilleures conditions de vie. Vous allez certainement me poser la question, pourquoi est-ce que je ne le fais pas pour les pauvres qui sont au Cameroun, qui sont en Afrique, qui se baladent dans la rue? Parce qu'il y a déjà assez d'ONG qui le font pour les Africains. Donc, il faudrait aussi qu'on ait un cœur sensible et qu'on puisse penser aux pauvres en Occident qui sont abandonnés. Donc, si vous êtes intéressé par cette opportunité, vous écrivez en commentaire et nous allons nous mettre ensemble, nous Africains, pour sauver l'Occident. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.